Madame, monsieur, bonsoir. Merci pour accueillir nous dans la case. À nous de bonnes titres qui fait l'actualité aujourd'hui. Résiste des troisième temps avant consécration ramandie dans Ayodhya. L'aide pour accueillir les mondes côté même si vous pas n'allez ou pour capable suivre sa cérémonie historique là. Dans Maurice, le premier ministre peut participer à une cérémonie culturelle organisée par Hindu Council aujourd'hui dans Phoenix. Demain, depuis quatre coins Maurice, vous pouvez capable suivre ce qu'il peut faire dans Ayodhya grâce à MBC. Une la journée spéciale pour un événement historique et inoubliable. À suivre, le MBC 10 à partir 10h45 demain. D'un côté, Banzan et Vieille Dimoun peut préparer à l'arrivée pour dire et qu'un premier cargaison carotte, il est arrivé hier, Zarico et Clissou pour rentrer Maurice demain, une décision par l'autorité après passage cyclone Belal. Dans quatre cérémonies, consécration Ram Mandir dans Ayodhya en Inde, une cérémonie culturelle fin organisée par Hindu Council aujourd'hui. Le couple premier ministériel fin allume la lampe symbolique dans l'enceinte centre Indira Gandhi pour la culture indienne. Et dans un message du Premier ministre aujourd'hui, l'Oban réseaux sociaux côté exprime la joie de la venue Bondi Ram à Ayodhya. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnath écrit « Réjouissons-nous du retour de Sri Ram à Ayodhya, que sa bénédiction et ses enseignements continuent à éclairer notre route vers la paix et la prospérité. » Nous finissons tellement que ça, ou c'est moins patient. Vivre ce moment-là ensemble, nous. Maurice, bien sûr, l'émotion pour vibrer. Nous pour cause inauguration Ram Mandir dans Ayodhya. Et autour de cet événement-là, il y a une dimension fraternelle surtout. Préparez-vous pour un voyage inoubliable. L'édifice illumine majestueusement Ayodhya au crépuscule. Ram Mandir, érigé dans la ville qui fin trouve naissance Dieu Ram, l'y offert à l'Inde moderne, un nouveau symbole sacré l'hindouisme. L'avènement Ram Mandir dans toute la vie fin sans doute et n'a une forte charge émotionnelle pour ban habitant Ayodhya, dans l'Inde et dans les mondes entiers. Péressena beaucoup d'imoun l'Oban Lari qui mène à sa nouveau temple-là, la foule péarrête l'y à ban lieu de prière qui longe l'accès à Ram Mandir, l'y chante ban louange. Dans les mondes de Maurice, Dieu Ram occupe une place centrale dans la vie ban fidèle. Chaque famille hindoue trouve dans un garçon un Ram, chaque marié un Ram, chaque épouse, chaque belle-fille un Sita. C'est dit à l'importance Ramayan dans la vie ban hindou. On passe tout ça le temps là dans la forêt, hein, où vivre avec la famille vanoise et où accepter des décisions aux parents. C'est une leçon à tirer qui à qui limite nous écoutent nos parents. Voilà, ça Sri Ram, ça intrigue moi. Il est tout pour nous lui-même, parce que lui-même il amène la joie, la lumière, prospérité, l'amitié, l'amour, tout en fait, c'est Ram qui l'amène pour nous. Lui-même lui montre nous bon chemin et chemin droit, il éclaircit nous partout. Ramcharitmanas, une épopée racontant la vie Ram, trouve sa place dans chaque foyer hindou, dans un temple et que Baitka, récitation d'un verset Ramayan, l'y encore pratiqué, perpétuant une tradition ancestrale. Ban Ram Katha, une récitation et une interprétation, sa épopée-là régulièrement organisée dans la ville et village. Ça lundi là, il manque un zoo historique avec l'inauguration Ram Mandir dans Ayodhya. Sa temple-là, une merveille architecturale, l'y en des plus grand dans l'Inde, qui capable d'accueillir environ 1 million fidèles. L'inauguration pour marquer par l'allumage ban la lampe dans temple, dans la ville Ayodhya, mais aussi dans grande péninsule et ban pays la diaspora. Dans Maurice aussi, ban célébration Diwali fête des lumières pour faire en l'honneur Sri Ram pour marquer son retour à Ayodhya après son exil et victoire au Ravan.
Dans le monde entier, demain, plusieurs millions d'immunes se trégopent pour braquer l'eau Ayodhya, désormais un symbole à côte tradition et que modernité besoine, à côte idole du Ram enfant, Ram Lalla, sculpté par Arun Yogiraj depuis Mysore, fut être accueilli à Ayodhya avec beaucoup d'enthousiasme. Jai Shri Ram, gloire à Dieu Ram, pour résonner à Ayodhya et que dans le monde entier demain qui symbolise victoire, la vérité et la justice. Ainsi, l'inauguration Ram Mandir, les plus qu'un événement religieux, il y a une célébration Manvalea et ban enseignement Ramayana profondément ancré dans la vie quotidienne ban hindou, dans Maurice et dans le monde entier. Ce lundi 22 janvier 2024 aura lieu la consécration du Ram Mandir à Ayodhya en Inde. Le monde sera témoin de cet événement historique. La MBC est de nouveau au rendez-vous pour la diffusion de cette cérémonie. Vous pourrez suivre en direct la consécration du Ram Mandir sur MBC 10 à partir de 10h50, heure de Maurice. Restez branchés pour célébrer ce second Diwali sur la MBC. Événement donc, vous pouvez pas suivre, mon rappelou, l'eau MBC 10 demain. Pour célébrer le Pran Pratishtha dans la consécration Sri Rama Mandir en Ayodhya, en Inde, le Ramayana Center puis organise aujourd'hui une procession spirituelle et culturelle. De nombreux débuts avec ce pavillon dédié à Sri Ram, ce film prend port à la moche sacrée depuis Balisson, Mandir, Rosebel en direction la Flora. Mandil, nous étions ensemble. À pied ou dans le teu de Union Park à la Flora, je dois aller dans différents mandirs pour prier et chanter. Cette procession-là, vraiment, elle refocus nos purpose. Le refocus nous propose, c'est une façon qui nous a un but, nous a quelqu'un pour guider nous, le nous chemin, qui nous a pour prendre. Qu'on veut trouver dans cette célébration-là, nous avec nous dans l'India, nous peut célébrer ensemble avec beaucoup la joie. Avec ça, nous peut apprendre beaucoup de choses. En tant que jeunes, l'important qui nous apprend, nous peut passer à nos futures générations. Ramayan Center, dont sa mission c'est répandre la valeur incarnée par Dieu Ram, peut ainsi célébrer la consécration du Ram Mandir à Ayodhya. Demain, nous pouvons faire nos programmes, nous pouvons faire deep yagya. Deep yagya, c'est-à-dire que nous pouvons allumer la lampe, nous tous les devotees qui peuvent venir pour gagner l'occasion pour allumer la lampe avec Zotmim Lame. 22 janvier 2024, Bhagwan Sri Ram apne. Ça, 22 janvier-là, le Dieu Ram les retourne dans la ville natale. C'est un moment très attendu pour beaucoup. La raison, c'est que nous célébrer le Ram Utsav dans Maurice. Bandebo, avec ce drapeau à l'effigie du Ram, les participe avec ferveur dans sa procession-là. Ils ont dit d'être tout coin le pays, dans le village, dans la ville, peut faire plusieurs prières. Et tout ça, c'est qui pour symbolise Jai Shri Ram, pour symbolise Ramji, ce qualité qu'il y a, ce qu'il appelle Maryada Purushottam. Ça veut dire qu'il est l'homme idéal. C'est ça l'enseignement-là qui nous apprend avec un lien Ramayana. Qui a une difficulté, qui dans la vie capable et non. Et comment jamais nous besoin perdre courage, nous besoin tous les temps d'être le bon côté de la vie. L'événement, vous pouvez pas suivre, l'événement peut suivre par plusieurs Mauriciens. Et depuis plusieurs jours, déjà, finina man célébration. Man devo fina ko zoten le temps de prière. Nous finirons avec nous, ça va une séquence intense de prière là.
consécration de Ramandir pour une année dans quelques heures. Et il y a des préparatifs pour boucler tant dans l'Inde et dans Maurice, dans le côté est, pour préparer à l'arrivée de bon Dieu Ram. Et une première congrégation, les Grimes, fin arrivée samedi soir, suite à passage cyclone Bilal, l'agricultural marketing board en collaboration avec ma autorité, fin prend décision pour de carottes, haricots et les choux, ça va les Grimes là, pour distribuer exclusivement dans ban point agricultural marketing board. Première congrégation, les Grimes importée par agricultural marketing board, fin arrivée hier soir. Il y a 18 tonnes de carottes qui sont en attente des douanements. Ça, l'exercice-là prévoit pour demain matin. Nous avons une cargaison qui est rentrée hier soir. C'est une cargaison de à peu près 18 tonnes de carottes qui sont aussi Sud-Afrique par avion. Demain matin, nous avons une cargaison qui peut arriver de l'Inde pour 6 tonnes haricots et pour à peu près 3 à 4 tonnes de choux. Nous connaissons que dans le pays de Kavedi, haricots y en demande. Et là, Tuman Koville qui peut bien, à travers le Motion Tamil Temple Federation, je peux faire cette liste et là, nous pouvons faire distribution. Ça banne les légumes là pour en vente dans point de vente AMB dans Moka à partir de demain. Et dans ce banne les points de vente à partir de mardi. Et bien, si vous donnez un souk, 20% de la population entre 25 à 74 ans souffrent de diabète, 15% qualifiés de pré-diabétique. C'est dire que 40% des Mauriciens vivent avec un facteur de risque majeur qui est capable de mener à d'autres maladies. Une conférence peut commencer demain dans Balaclava, quand il y a une conférence internationale sur le diabète, l'obésité et les maladies associées. Presque 20% de la population de 25 à 74 ans gagne diabète. À peu près 15% qualifiés de pré-diabétique. Ça veut dire qu'il y a à peu près 40% de Mauriciens vivent avec un facteur de risque important qui est capable d'amener les autres maladies. Maurice, le grand problème, c'est la maladie non transmissible. Entre 25 à 74 ans, nous avons 19,9% du monde qui est diabétique, 15,9% qui est pré-diabétique, 38% à peu près qui est du monde obèse dans Maurice, et l'autre 36% qui est overweight. Et seulement 40% du monde peut faire activité physique, quand même, combien ne peut advoquer pour donner l'importance à l'activité physique. Même, nous avons un policy paper pour activité physique qui est dans le Prime Minister's Office. Nous avons envie que du monde a pris conscience pour sa maladie non transmissible. C'est un grand problème. Parce que nous, pays, nous avons des ressources. Nos ressources sont humaines. Pour mieux aborder ce problème de la santé publique, le ministère réunit un panel expert. Zod Pévin, depuis une trentaine de pays. Zodi dimanche, c'était ban dernier préparatif avant 3 jours conférence, à côté ban intervenant pour porter zod dernières données, technologies, mais aussi zod l'expérience, avec à peu près 350 participants mauriciens. Nous même in prépare 10 documents importants, National Service Framework for NCDs and l'autre National Integrated NCD Action Plan. Côté ça va expert là. Pour assister nous, pour implémenter ça. Et en même temps, je peux venir pour chercher les autres d'expérience. Parce qu'il y a beaucoup de tests, de recherches qu'il fait, de côté traitement, de côté management, de côté prévention. Pour mieux vulgariser ce forum-là, un newsletter pour publier à la fin de chaque journée, et le ministère pour venir avec un document, l'Oban recommandation, qui finit faire. Le temps pour s'amuser. Pour célébrer le 25 janvier, une célébration en l'honneur de Bondi Muruga. L'occasion pour les fidèles témoins d'adoration et de dévotion à Garçon Siva et Parvati
quand je pourrais 10 jours carême à la veille, ça fait là, nous pourrions aujourd'hui l'importance, bon Dieu Mouruga, dans la vie. Bandez-vous. Invoqué comme fils de Shiv et Parvati, Mouruga fin prend naissance à travers troisième lisier Shiv. Fin écrire, qui ban divinité qui tient envie de détruire le malfaiteur Surpadman, fin remet au Dieu suprême. Shiv fin allo prend une forme à 6 visages et qu'un étincelle du fait fin sorti des sacs troisième lisier de ce 6 visages. La déesse Ganga intercédant, sa ban 6 étincelles-là fin vin ban bébé et quand fin présente à l'épouse de Shiv, sa 6 bébés-là dans l'étreinte de Parvati fin vin en. Léla Iskandan fin né, c'est un autre nom qui désigne Mouruga. Mouruga est représenté avec une lance qui appelle Vel. Ce mama fin de Nissa pour combattre le malfaiteur. Malfaiteur Surpadman, qui panne rôde abandonné à Mouruga, fin prend forme en grand mangui. La lance du dieu Mouruga fin fendit l'aube et qu'un parti fin vin en pan, et que l'autre en coq. Dieu Mouruga fin prend pan là comme ce véhicule et coq là comme drapeau. Bantamoul affectionne la divinité dans Bankoville et Namanistati Mouruga, côte Bandevo démon sous protection et benir. Premier jour de la pleine lune pendant le mois de Thaï, fin ena une grande célébration dans ce lunaire. Pendant 10 jours avant fête, peut faire la prière dans tout Bankoville. C'est un moment de piété, côte Bandevo, qui poussoye kavidi le zut zépol, peut prépare zut. Le jour du Thaï poussam kavidi, Bandevo poumors en procession et poussoye zut kavadi. Nouvelle de Ouastia, président de la République démocratique Congo, Félix Tshisekedi, fin prête serment pour un second mandat de 5 ans à l'issue d'une élection très contestée en décembre. Mouri prend flambeau, qui se finit de moi, nous envie un Congo plus uni, plus fort et plus prospère, lui dire dans sa cérémonie d'investiture. Nouvelle de l'État d'un communiqué spécial, station météo désert tantôt. Et la possibilité qu'une dépression tropicale formée au nord des îles Mascareignes d'ici demain matin, par une prévision indiquée que ce système-là pourrait intensifier davantage et pourrait déplacer vers le sud entre Maurice et Rodrigue. Température pourrait varier entre 20 et 22 degrés Celsius le plateau central et entre 24 et 26 degrés dans une région côtière. Les temps pour correct demain matin pour une impé- Le ciel gris, température, il peut varier entre 27 à 29 degrés. Du vent, il peut léger et variable. La mer, il peut respirer et pour la houle, depuis 3 mètres, marée haute demain 0h40 et 11h05, marée basse 6h10, 18h28. Soleil, il peut lever demain 5h46. Vous les sous? L'eau sa note musicale là, ou con Country Road de John Denver, Molesu l'a une réadaptation, un artiste indien qui appelle Ayodhya Roads. Molesu, bonne soirée. Almost heaven, Veram understands, Vindhya mountains echoing his divine plans. Life's ancient air, stories in the trees. Sri Ramachandra's glory is timeless as the breeze. Ayodhya Road, take me home to Isabel, where I belong. Saryu River, Hanumangadi, take me home. Ayodhya Road. All my memories of Ramayana's tale, Ma Sita's grace, Pavan Putra's fiery tale. Sri Ram has arrived, all our eyes are numb.
Happiness all around, our joy knows no bound. A youth heroes, take me home to Isabel, where I belong.